Wild Space est un jeu pour 1 à 5 joueurs, âgés de 10 ans et plus, qui propose des parties d'environ 30 minutes. Aux confins de l'Empire, une nouvelle galaxie vient d'être découverte. À la tête de votre vaisseau, vous partez en quête des richesses de ce nouvel Eldorado. Naviguez de planète en planète et constituez votre équipage avec sagesse pour devenir l'explorateur le plus fortuné. En fin de partie, le joueur possédant le plus de crédits est déclaré vainqueur. Commencez par placer les deux planètes de départ face visible au centre de la table. Elles sont reconnaissables à la petite icône de maison située en haut à gauche de chaque tuile. Placez ensuite au hasard et face cachée un exemplaire de chacune des autres planètes en respectant l'ordre croissant. D'abord une planète 3, puis une planète 6 et enfin une planète 9. Distribuez aléatoirement une carte capitaine face visible à chacun des joueurs. C'est la première carte de leur équipage. Remettez les autres cartes capitaines dans la boîte, elles ne seront pas utilisées durant la partie. Chaque joueur choisit une couleur et prend devant lui les 5 pions navettes correspondants. Les joueurs placent le jeton vétéran de leur couleur à côté de leur carte capitaine près de la piste des vétérans. Mélangez l'ensemble des cartes équipage en une pioche face cachée au centre de la table. Révélez les 3 premières cartes pour former une ligne à côté de la pioche. C'est la réserve de cartes. Conservez un espace à côté de la pioche pour placer les cartes défaussées durant la partie. Chaque joueur prend 3 cartes de la pioche et les conserve en main sans les révéler, c'est sa main de départ. La partie peut maintenant débuter, le premier joueur est celui qui a vu un animal le plus récemment. Pour comprendre les règles de Wild Space, il est nécessaire de connaître le fonctionnement des cartes équipage. En plus de votre capitaine, les cartes équipage sont de 3 types. Les spécialistes, de couleur bleue et représentés par cette icône, les émissaires sur fond rouge symbolisés par cette icône, et enfin les robots, en vert, représentés par cette icône. Tous les spécialistes et les émissaires sont des animaux. Collectionner des animaux vous rapporte des crédits, et en début de partie, c'est le moyen le plus efficace pour en gagner. Les robots ne sont pas des animaux, et les crédits qu'ils rapportent sont donc comptabilisés indépendamment de vos collections d'animaux. Tous les spécialistes et la plupart des robots ont un métier, indiqué en haut à droite de la carte. Les métiers ne rapportent pas directement de crédit, mais ils sont importants car ils permettent de déclencher les effets des cartes lorsqu'on les pose. Enfin, les émissaires proposent des missions, indiquées dans le cartouche en haut de la carte. Ces missions, si elles sont accomplies, rapportent des crédits supplémentaires en fin de partie au joueur qui possède l'émissaire en question dans son équipage. La plupart des cartes équipage ont un cercle d'effet, indiqué en bas à gauche. Cet effet peut être activé quand le joueur pose la carte en jeu, et uniquement à ce moment-là. Par exemple, le joueur posant cette carte peut immédiatement piocher 3 nouvelles cartes. Le cercle d'effet peut être accompagné d'un cercle de conditions en bleu qui indique un prérequis nécessaire à l'activation de l'effet. Les spécialistes et les robots qui ne possèdent pas de cercle d'effet ont une icône de médaille en haut à gauche de la carte. Ce sont des vétérans. Chaque fois qu'un joueur met un vétéran en jeu, il fait avancer d'une case son jeton vétéran sur la piste des vétérans de son capitaine, et il profite immédiatement de l'effet correspondant. En commençant par le premier joueur, chacun joue à tour de rôle dans le sens des aiguilles d'une montre. À leur tour, les joueurs utilisent leurs navettes pour accomplir des actions. Chaque joueur va utiliser ses 5 navettes 2 fois. La partie se termine donc quand chacun des joueurs a joué exactement 10 tours. À son tour, un joueur commence par jouer une de ses navettes sur une planète, puis il effectue l'action de la planète où il vient de jouer. Quand il joue une navette, le joueur a 2 possibilités. Il peut d'abord faire atterrir une nouvelle navette sur une planète. Il prend une navette située devant lui et la pose au bas de la tuile planète de son choix, sur l'un des 2 secteurs, à gauche ou à droite. Il doit toutefois respecter quelques contraintes. Le joueur doit tout d'abord posséder devant lui au moins autant de cartes qu'indiquées sur cette tuile planète. Les 2 planètes de départ n'ont pas de contraintes et tous les joueurs peuvent y accéder librement dès le début de la partie. Les suivantes requièrent respectivement 3, 6 et 9 cartes équipage pour pouvoir se poser dessus. Ensuite, un joueur ne peut jamais poser 2 navettes sur un secteur sur lequel il possède déjà une navette, qu'elle soit en haut ou en bas de la tuile. Il est par contre possible de poser une navette sur un secteur où un autre joueur est déjà présent. La deuxième option dont le joueur dispose à son tour est d'explorer une planète sur laquelle il possède déjà une navette. Pour cela, il fait glisser sa navette du bas vers le haut de la planète en prenant garde à ne pas la changer de secteur. Immédiatement après avoir posé une navette ou exploré une planète, le joueur effectue l'action correspondante.
poser une navette ou explorer une planète permet aux joueurs de piocher ou de poser des cartes. L'action dépend du secteur où la navette a été jouée. Quand il pose une nouvelle navette sur une planète, le joueur effectue l'action indiquée sur le secteur correspondant. Si le joueur a le choix entre plusieurs actions, il n'en effectue qu'une seule, celle de son choix. Certaines actions possèdent une condition, indiquée en bas à gauche. Le joueur doit remplir cette condition pour pouvoir poser sa navette sur ce secteur et effectuer l'action. Quand un secteur propose plusieurs conditions, le joueur peut remplir celle de son choix. Sur cette planète par exemple, le joueur doit défausser un informaticien, un mécanicien ou un pilote. En échange de quoi, il peut, au choix, piocher 3 cartes ou poser une carte en jeu. Quand un joueur fait glisser une navette pour explorer la planète où il se trouve, il dispose toujours des deux mêmes options, piocher 3 cartes ou en poser une. Quand un joueur pioche une carte, il peut la prendre indifféremment sur le dessus de la pioche ou dans la réserve de cartes. Dès qu'une carte est prise dans la réserve, elle est immédiatement remplacée par une nouvelle de la pioche. Si le joueur pioche plusieurs cartes, il décide pour chacune d'entre elles s'il les prend dans la réserve de cartes ou sur le dessus de la pioche. À n'importe quel moment de son tour, un joueur peut également décider de défausser une carte de sa main pour renouveler la réserve de cartes. Il peut le faire autant de fois qu'il le souhaite, à condition bien sûr de défausser une carte à chaque fois. Enfin, il n'y a pas de limite au nombre de cartes qu'un joueur peut avoir en main. Quand un joueur pose une carte, il la place devant lui, avec son capitaine et ses autres membres d'équipage. Si la carte posée possède un cercle d'effet, le joueur peut immédiatement appliquer l'effet correspondant. Si le cercle d'effet est précédé d'un cercle de conditions, le joueur doit remplir la condition indiquée pour profiter de l'effet. Il est tout à fait possible de poser une carte en jeu, même si on ne peut pas ou on ne veut pas activer son effet. Quand un effet entraîne la pose d'une autre carte, le joueur peut immédiatement appliquer l'effet de cette nouvelle carte. Mais il faut bien sûr pour cela remplir son éventuelle condition. Il est donc possible d'activer plusieurs effets consécutivement et donc de poser plusieurs cartes dans le même tour de cette façon. Les vétérans ne possèdent pas de cercle d'effet. Quand un joueur pose une carte vétéran, il avance son jeton vétéran d'une case vers la droite sur la piste des vétérans de sa carte capitaine. Il applique ensuite l'effet indiqué sur la case qu'il vient d'atteindre. Une fois que le joueur a joué sa navette et effectué les actions correspondantes, son tour prend fin. Il vérifie le nombre de cartes équipage visibles devant lui. S'il en possède au moins autant que le chiffre indiqué sur une planète face cachée, il la retourne immédiatement sur sa face visible. Elle devient disponible pour tous les joueurs possédant suffisamment de membres dans leur équipage. On passe ensuite au joueur suivant. Quand tous les joueurs ont utilisé chacune de leurs navettes deux fois, la partie prend fin. On passe alors au décompte des crédits, tous les joueurs auront effectué 10 tours de jeu. Dans chaque espèce, le troisième animal et les suivants rapportent 5 crédits chacun. Chaque série complète de 6 animaux différents rapporte 15 crédits. Les émissaires rapportent des crédits si les missions qu'ils proposent ont été remplies par leur propriétaire. Certains robots rapportent également les crédits indiqués sur leur carte. Enfin, le jeton vétéran rapporte des crédits s'il a atteint ou dépassé la case correspondante sur la carte capitaine. Le joueur avec le plus de crédits l'emporte. En cas d'égalité, celui qui a le moins de cartes devant lui est déclaré vainqueur. Si l'égalité persiste, les joueurs ex-aequo se partagent la victoire. Merci d'avoir suivi cette explication des règles de Wild Space. On vous souhaite de très bonnes parties.